Bonsoir à tous. Madame, monsieur, l'autre fois, nous vraiment contents de rentrer la caillou dans le cadre d'une nouvelle émission. Pas oublier ou sous channel pour là qui c'est TAC Info. Abonnez avec page là, sous pot quoi abonnez avec, likez, commentez et partagez. Surtout, activez cloche notification pour ne pas rater rien. Dans le cadre d'une interview, Camille Oxyus t'a accordé TAC Info. Nous t'ai fait un petit palais sous référendum et président. Il t'a fait un tir à l'émené Vinito sous élection qui t'a supposé faite dans le pays. Et pour finir, nous t'ai parler sous mandat président Jovenel Moïse qui t'a supposé fini 7 février 2022 et a invité au suivre avec en pile intérêt Camille Oxyus. En façon nous ouais pays arrivé journée jodi hier ou même étant que moun kap défendre droit moun nous réaliser semaine ça yon silence total. Ça qui caractériser silence ça. En fait, je ne sais pas quoi bien on silence de côté organisation de la monnaie. Parce que toujours il y a des rapports qui sortent, toujours il y a des notes qui sortent. Maintenant, le fait qu'ils vont face des autorités irresponsables, et ça a arrivé que rapport là, il n'y a pas fait faire de fait. Mais par une organisation qui est chômée, toute l'organisation continue à travailler, les pédoirs, bien que nous avons un contexte qui est très difficile. Même parce qu'il va voir, il y a des organisations qui font rapport sur le kidnapping, il y en a qui font l'autre rapport toujours, donc on pense que ça va continuer. N'a font-il parler de intervention présidente et fait dernièrement? Alors, si nous t'avons comprendre, sa excellence santé dit, d'après le président, t'a semblé insécurité ça, c'est une insécurité qui programmée, 80% na kidnapping yo t'a semblé c'est kidnapping politique d'après ou même comment concevoir déclaration ça moi même c'est une déclaration irresponsable le fait que Jovenel Moïse c'est lui même qui a autorité pour passer l'ordre pour freiner une question kidnapping non étonnamment malgré le qu'on est et côté kidnapping au sorti qu'on est qui est organisé et puis population a monté en massif donc c'est une déclaration irresponsable et déclaration ça lui confirmer lui Jovenel Moïse incapable pour que lui jouer voilà parce que lui connaît ce kidnapping politique lui connaît et monter c'est pour monter oui. Et puis, tandis que ravisseur toujours a fait la loi, donc sans organiser personne qui gagne, donc c'est une déclaration irresponsable pour ne pas dire déclaration ça donne des complices. Les présidents fait connaître que constitution ça, quel était point pouvoir sous l'IA, c'est une constitution qui va en pile problème. Et il décidé 27 juin qu'a venir là, l'a changé constitution. Est-ce que ou même k'ap défend doua moun? Est-ce que ou el in avantage moun ki ou ap défend yo? En fait, yon nan bagay pou nous mettre en évidence. Constitution a changé là, li pa jam d'application stricte. Ça veut dire facilité d'application stricte, problème grand gros chômage, insécurité, éducation, santé. Nous pas de problème ça yo parce que en dans même constitution ça il parlait de l'article 19 il parlait des droits au logement droit à l'éducation droit à la santé etc. Donc et premièrement gaz nous des problèmes d'applicabilité mais cependant nous reconnaître 33 ans après 34 ans après donc quand il évolue faut gagner des nouvelles dispositions qui prend pour permettre et payant les marchés. Mais tout nous pas capable d'accepter tout, c'est une démarche de manière unilatérale, une démarche politique, à des fins politiques, pour régler les bails personnels. Donc, question référendum, non, même constitution en clair, lui dit, et lui interdit question référendum, non. Donc, si Jovenel Moïse prend une initiative pour faire ça, donc c'est projet par lui, mais c'est pas projet pays, bien. Et ça fait nous-mêmes, nous coûte question référendum, non. Sur le plan technique, est-ce qu'on est l'impossible pour gagner un référendum, si nous t'apprenons sous parole, sa président dit, que l'on veut ou pas, 27 Jovenel Moïse, c'est un cap.
Jovenel Moïse, c'est un cas possible, possible, impossible, impossible, possible. Comment on est capable d'expliquer nous ça? Il y a un cas possible, impossible. Comment on est capable d'expliquer nous ça? Jovenel Moïse est un cas impossible, possible, possible, impossible. Oui, expliquez-nous. Ça, on pense que le pape fait, c'est lui le fait. Et ça, on pense que le pape fait, c'est lui le pas fait. Donc, tout le monde clair, référendum, c'est impossible. Mais pour lui-même, c'est possible. Seulement ça, nous connaissons. Il y a un référendum de plus mobilisation, il passe une élection. Parce que pour l'organisation des élections, ce sont même les partis qui vont sensibiliser la population autour de la réalisation des élections, bien que le président va convoquer le peuple en ses commises. Mais même si le président est convoqué le peuple en ses commises, mais c'est pas ces politiques qui ont avec campagne à faire pour sensibiliser et population. Donc ça c'est vos élections. Mais là on voit question référendum qui seulement y a une parole gouvernementale qui demande seulement une mobilisation gouvernementale. Donc là l'heure nous est là et question référendum non, c'est une mission impossible pour mon qui a un bon sens. Mais c'est vrai pour Jovenel Moïse, il serait une mission possible. Est-ce que ouais élection possible non Jean Payaya position au Sénat clair comme organisation de défense des humains organisation des élections qui fait partie des droits civils et politiques cependant par une pièce élection qu'a réalisé lorsque il y a un désaccord total entre le pouvoir en place et les partis politiques par une pièce élection qu'a organisé lorsque l'insécurité a augmenté, la vie a augmenté, le kidnapping a augmenté. Alors, il y a une pièce qui a organisé avec un dermalogue qui est illégal côté film qui a signé un contrat, il a signé un contrat en dehors de la loi, il a contrat exécuté en dehors de la loi. Alors, nous pensons que les conditions ne sont pas réunies pour organiser cette élection en ce moment, mais comme le général Moïse est un cas impossible, possible, possible, impossible, ça va arriver, il fait. Li fon bagay pou li se eleksyon, men kelke sa sa va fè a, nou panse sa ka la depi a nan kouskri. Prezident, fè konen. La promet pouvoir avèk yon nouvo prezident ki elu konstitisyonèlman. Sa vle di, prezident Jovenel Moïse ap kite pouvoir, ap kite pale a 7 fevriye 2022. Si dapre ou menm, pas une possibilité pour réaliser élection dans le pays. Est-ce que Jovenel Moïse, qui a privé 7 février, pas bon nouveau gouvernement, pas bon nouveau président, qui ça qui a arrivé 7 février 2022 sans un nouveau président? Seulement Jovenel Moïse, avec Ramon qui est bon côté, qui parle à aller vers une transition. Et de toute façon. Techniquement, besoin 7 à 8 mois pour faire mise en place pour vos questions et élections. Jodian, pour gagner un conseil électoral illégal qui, soi-disant, a fonctionné, pour gagner un ONU qui a donné fait 4 pour environ 7,5 millions de monde, ONU a dû lui faire 4 pour seulement 4 millions. On a 4, dans 3 millions, il parle de lui, il y a 4 plans là, il n'y a pas même 24 ans. Ou il y a un parti politique qui vous comprend. Ou il y a une insécurité, ou beaucoup de gens qui l'ont bien des mesures qui prend pour empêcher l'insécurité. Avec qui ça est que tu là? Donc, moi, je pense que c'est un dépassement pour acteurs offerts, c'est un dépassement. Pour le constater les chefs, ils font un appel à la conscience. Pour aller dans le niveau, aller avec le payant. Mais sinon, qu'est-ce qu'on pique devant, qui te sait, vous rappelez, la priorité de sa nouée. Qui quantité moun nous recevoir qui est victime de cas insécurité et nous décider accompagner yo? Qui quantité moun nous joigne comme ça? En fait, au CNH fait appui, by appui juridique. Donc, des moun qui sont victimes de, surtout de violences basées sur le genre.
Mais pour question et monde qui est victime de kidnapping, agression, donc nous gagnons commission qui a travaillé là, c'est ce que ça pour travailler de manière spécifique, donc pour garder dans ce niveau de travail des accompagnements spécifiques à monde qui est victime de kidnapping. D'après vous-même, qui ça qui a la base insécurité ça? Le kidnapping, l'insécurité est d'ordre politique et économique. Lorsque vous avez un pouvoir qui n'est pas garanti de la société économique, ça peut arriver lié à coucher à l'insécurité. Lorsque vous avez une crise politique à prendre les pays, donc bien des gens qui viennent armés soit pour la conservation du pouvoir ou la prise du pouvoir, ça crée insécurité. Mais quelle que soit l'idée de source politique, quelle que soit l'idée de source économique, c'est l'État qui a pour obligation de travailler pour créer un climat de paix dans ce pays. Bon, dans un pays côté l'État t'a semblé qui démissionnait, nous-mêmes qui livrait à nous-mêmes à des bandits, à des kidnappeurs, qui ça nous t'a supposé faire? Mais lorsque vous avez une autorité qui démissionnait, l'État démissionnait, la population a été organisée pour défendre lui. Et ça nous toujours demandé, oui, l'État démissionnait, la population pour nous organiser pour défendre lui. Ça nous demande de faire. Si 7 février arrivé 2022, président Jovenel Moïse décidé prolonger toujours parce que élection pas faite, pas un nouveau président. D'après vous-même, qui ça Kevin arrivé dans le pays ça? De toute façon, à ce que je sache, nous avançons vers une transition. Est-ce que vous avez parlé déjà avec quelques monde qui sont en opposition? Est-ce que vous avez un point de vue? Bon, nous sommes une organisation de droits humains. Nous n'avons pas gagné pour nous ni côté, ni échanger avec les partis politiques ou les hommes politiques. Sauf que nous, nous faisons radiographie de situation. Nous gardons nos droits civils et politiques qui sont violés chaque jour. Nos droits économiques qui sont violés. Donc, nous faisons la radiographie de la situation, nous sommes janvier là. De toute façon, nous avançons vers un gouvernement de transition. Bon, très souvent, un gouvernement de transition, il cause un pile-toi avec le pays. C'est pas. En matière politique, souvent, c'est pas acteur qui dit ça à faire, mais c'est le temps qui dit que ça, monsieur, fait. Là, même si Jovenel Moïse a parlé, garder conjoncture là, la radiographie à pouvoir avancer vers une transition. Et qui ça qui t'a supposé fait d'après vous-même pour freiner l'insécurité ça? Que autorité pour la stabilité yo. Et ça senti yo constaté échec yo, yo démissionné. Prend responsabilité. Il y a quelqu'un qui a poussé comme l'État pour ça. Prend responsabilité, vous voulez dire qui ça? Eh bien, répondre à ça bien comme liste comme obligation. La police a de diviser, la police a de subdiviser, la police a de agir dans sanction comment? Pour la vie dans l'intérêt collectif, pour la vie dans le sens de tout le monde qui a vu dans le pays. Hein. Quelle que soit l'origine politique, la police a pour devoir de protéger les servir. La police n'est pas de instrumentaliser par des hommes politiques. Est-ce que ça peut arriver ou faire une autocritique pour critiquer tête ou? Parce que Mounio parlait très très mal de droits humains ces derniers temps. Il parlait très mal. Si vous avez toujours dit, il faut gagner une campagne de sensibilisation qui est faite autour de la population pour connaître qui est la défense des droits humains. Que... Et moi toujours dit, gagner plusieurs défenses des droits humains, gagner différents organisations des droits humains, mais chaque dit qu'il y a fait promotion pour tout le monde, mais qu'on est là, c'est acteur, observateur pour regarder vraiment est-ce que. C'est défenseur de la vie humaine, effectivement. Mais, dans l'ensemble, nous reconnaissons que l'organisation de la vie humaine qui a fait effort dans le pays, et si c'est pas eux-mêmes, ça a fait des dérives. Population vraiment reproché de la vie humaine parce que. Il était un travail de sensibilisation parce que, défenseur de la vie humaine, organisation de la vie humaine, ça a gagné pour la féliciter, applaudir le pouvoir. Organisation de la vie humaine, c'est pour travail. Pour exiger l'État à mettre en application ça le gain comme prérogative
constitutionnel. Donc, depuis, yon organisation prend position, yon fait rapport contre démagogie, contre corruption, etc. Donc, on a des proches du pouvoir, les amis du pouvoir, des hommes politiques, qui ont toujours un droit normal. Mais, et dans tous les pays du monde, il y a des organisations de l'OGM. Si gon bagay nous-mêmes au niveau de droits humains, nous t'a reproché tête nous que nous t'étions supposé faire non pas fait, c'est qui ça le tapier? Plus synergie. Synergie qui doit dégager dans le secteur pour qu'il y ait un travail et qui puisse être efficace. D'accord, merci beaucoup Camille Oxyrus. Merci. C'est ton plaisir.